La chance t'a évité ces dernières semaines, mais bientôt les choses vont prendre un tournant incroyable, et tes anges gardiens sont impatients de te partager cette nouvelle à travers un message éclairant. Si tu as ressenti une série d'événements malheureux récemment, Fred, l'univers a en fait préparé le terrain pour l'arrivée de la prospérité et de l'abondance. Tu as de nombreuses raisons d'anticiper de bonnes choses qui t'attendent, et tout commence par un événement intrigant. Les anges rapportent que quelqu'un de proche t'a évité récemment, sans raison apparente. Tu n'as peut-être même pas remarqué cet évitement en raison du tumulte de la vie. Bien que tu aies fait de ton mieux pour garder les choses sous contrôle, il semble que tu rencontres souvent des revers et des complications. La bonne nouvelle est que cette série de malchances touche à sa fin, ce qui signifie que la chance te sourit. Ce changement est lié à la personne qui t'a évité, bien que les raisons derrière ce comportement puissent te surprendre. Bien qu'il y ait beaucoup à discuter, il est crucial de mentionner les signes de synchronicité que tu trouveras plus loin dans cette vidéo. Ces signes joueront un rôle significatif dans ton avenir, et tu pourras les utiliser pour élaborer un plan de succès et d'opportunité. Revenons à la question centrale, cette personne t'a évité en raison de raisons surprenantes. La principale raison est le désir de te récompenser pour être un ami si spécial pour elle. Cela peut sembler une raison étrange d'éviter quelqu'un, mais il prépare quelque chose de grandiose. Je tiens à souligner une fois de plus qu'une personne proche de toi t'a évité. Alors, ne sois pas surpris si cette personne te surprend avec un geste aimable et une opportunité de renforcer votre relation. Cela peut être une surprise, mais cette personne a essayé de t'éviter depuis un certain temps. Au départ, l'évitement était lié à la bizarrerie de la situation, comme tu as pu le déduire de ce message. Cependant, la véritable raison derrière ce comportement est le sentiment que cette personne éprouve pour toi. La première justification de l'évitement est la difficulté à exprimer les sentiments qui les submergent en ta présence. Ils veulent agir naturellement, mais c'est difficile quand leur cœur bat plus fort en ta présence. Curieusement, ils ont été habiles à cacher ces sentiments quand ils ne pouvaient pas t'éviter, ce qui montre une grande maîtrise émotionnelle. C'est pourquoi identifier qui est cette personne peut être une tâche compliquée. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour découvrir l'identité de cette personne afin de la forcer à avouer. En fait, il n'y a aucune raison de le faire. Avec le temps, ils affronteront finalement leurs propres sentiments et aborderont la situation avec toi. Avant cela, cependant, ils ont quelque chose d'incroyable de planifié. Ce peut être une fête, ou même une nouvelle opportunité de carrière. Quoi qu'il en soit, cette personne a travaillé en coulisses pour te faire un cadeau extraordinaire. Tu peux sentir que tu ne mérites pas un cadeau pour être un bon ami. Peut-être que la réponse est négative, car tu ne sens peut-être pas avoir fait quelque chose pour le mériter. Cependant, tes anges gardiens veulent que tu saches que tu mérites sans aucun doute ce cadeau. Lorsque cette personne se rapprochera enfin de toi, tu pourrais être tenté de le refuser, mais il n'y a aucune raison de le faire. Accepte-le à bras ouverts, car c'est un geste d'appréciation, et la meilleure chose à faire est de recevoir ce qu'ils sont prêts à donner. À l'avenir, tu auras l'occasion de rendre l'appareil, sans craindre de manquer cette opportunité, car l'univers te guidera vers les meilleurs résultats possibles. Tes anges gardiens soulignent cela parce que la conscience du monde qui t'entoure contribuera à une chance générale plus favorable. Tes anges gardiens souhaitent transmettre ce qui suit, sois confiant dans tes paroles et tes actions, et, plus important encore, aie confiance en le plan que l'univers a pour toi. Bien sûr, tu ne dois pas avancer de manière imprudente simplement parce que tu sais que le cosmos est de ton côté. Au lieu de cela, utilise cette connaissance pour renforcer ta confiance, même lorsque l'incertitude prévaut. Bien que l'incertitude puisse être inconfortable, reconnais quel est souvent le chemin vers la chance et l'abondance. Alors que ce message touche à sa fin, il est temps d'explorer les différents signes de synchronicité qui auront un profond impact sur ton voyage. Commençons par le premier signe de synchronicité, qui se manifeste sous la forme d'un colibri. Si tu as déjà observé un colibri planer dans les airs, tu sais certainement qu'il émane une aura presque hypnotique. La plupart des gens ne peuvent pas résister à le regarder, et cela nous conduit à la leçon que le colibri transmet,
s'arrêter et apprécier le moment présent. Ce signe est particulièrement pertinent pour ta chance actuelle, car il t'encourage à te concentrer sur le présent. Tout comme cet oiseau gracieux, tu es perçu comme quelqu'un de délicat dans tes affaires et précis dans tes opinions. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième signe, le miroir ancien. Ce miroir vintage représente ton passé, mais il sert également de rappel pour que tu te priorises par rapport aux autres. Bien que ta générosité soit admirable, il y a un point où tu peux être excessivement généreux. Par exemple, si tu n'as même pas assez pour toi-même, ce n'est pas le bon moment pour donner aux autres. Tes anges gardiens estiment que, bien que tu sois incroyablement généreux, tu te mets aussi dans des situations où les gens peuvent profiter de toi. Cela peut poser problème, c'est pourquoi il est essentiel que tu considères tes besoins avant ceux des autres. Enfin, le troisième signe de synchronicité est la bague. Cet objet a de multiples significations, selon la façon dont tu l'interprètes. Est-ce qu'il te fait penser à de l'argent? Si oui, alors tu peux t'attendre à de la chance financière dans les mois à venir. Ne sois pas surpris si des opportunités se présentent pour améliorer ta situation financière. La raison pour laquelle cette personne planifie un geste aussi significatif est parce qu'elle valorise profondément ce que tu as fait pour elle. En fait, de nombreuses personnes dans ta vie partagent ces sentiments, et il n'y a aucun mal à appliquer ce même amour envers toi-même. Prends un moment pour apprécier tes propres réalisations et rappelle-toi que l'univers est de ton côté, quel que soit l'avenir. Je voudrais conclure par une prière, Seigneur, que le chemin de la chance et de l'abondance qui se profile soit éclairé pour eux. Aide-les à reconnaître et à accepter le geste de bonne volonté et de bonté qui se rapproche d'eux, car ils méritent ces bénédictions. Donne-leur la force de se prioriser lorsque cela est nécessaire, en se protégeant d'une générosité excessive qui pourrait leur nuire. Que la leçon du colibri de vivre dans le présent les guide pour apprécier la beauté de chaque instant, et que la bague symbolise des opportunités financières qui apportent stabilité et prospérité dans leur vie. Nous croyons que l'univers conspire en leur faveur, et que leur cœur déborde de gratitude pour tout ce qu'ils ont et pour tout ce qui est à venir. Amen. Si tu prends le temps d'apprécier tes bénédictions, l'univers répondra toujours de manière positive. La gratitude est une valeur souvent sous-estimée, mais c'est l'une des plus importantes que tu puisses cultiver. Un cœur reconnaissant ouvrira des portes vers une vie plus belle. Tape 555 pour revendiquer ce message et toutes les bénédictions qu'il contient pour toi. J'espère que chaque mot de ce message a touché ton cœur, t'a inspiré et t'a réconforté. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage et qu'une force supérieure veille sur toi à chaque étape. Que ces mots résonnent dans ton âme, apportant paix et réconfort dans les moments difficiles. Il est maintenant temps de partager cette foi et cet amour avec le monde, en illuminant la vie de ceux qui en ont besoin. Partage ces messages avec tes proches, en éclairant les vies de ceux qui sont dans l'obscurité et en étant un agent de changement positif. Que Dieu soit avec toi, et jusqu'au prochain message de foi, de paix et de réconfort. Amen.